Spectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en contact avec Serima Bedi, qui est journaliste et cinéaste. Elle se trouve actuellement à Tunis et ensemble, nous allons parler des points marquants de sa vie et ses aspirations pour l'avenir. Serima Bedi, bienvenue à notre programme. Enchantée, ma chérie. Cyril, on commence toujours notre programme avec les souvenirs de l'enfance, puisque c'est une période de la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? J'ai aimé la lecture, j'ai passé beaucoup de temps à lire les livres et écrire et participer à plusieurs compétitions en écriture quand j'étais une petite fille. J'ai joué avec mes copains et j'ai gardé beaucoup de souvenirs de la Madina de Tunis. J'ai visité plusieurs de monuments célèbres et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont marqué dans ma vie. Par exemple, je voudrais savoir, Cyril, vous êtes journaliste, n'est-ce pas, et cinéaste. Après l'école, quel est le domaine exact que vous avez choisi pour les études universitaires? C'était d'abord le cinéma ou le journalisme? Avant tout, j'étais spécialiste et préparatrice d'analyse médicale. J'ai travaillé une année dans ce domaine, mais après j'ai démissionné et j'ai choisi d'assister à l'ISA. C'est l'école qui donne des études en audiovisuel. C'est tout l'audiovisuel autour du journalisme et cinéma en même temps. Audiovisuel, ça veut dire le petit écran, ça veut dire des documentaires, ça veut dire également les infos. Qu'est-ce qui vous a attiré? J'ai voulu raconter des histoires des gens, j'ai voulu garder en mémoire les beaux et les belles souvenirs des gens. J'ai voulu écrire d'une autre manière l'histoire. C'est pourquoi j'ai choisi ce domaine. Ce domaine nous donne l'opportunité de rêver et de voir des personnes et amis. Très, 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 très élégant et très intéressant. Vous travaillez dans ce domaine depuis combien de temps maintenant? Je pense 5 ans. 5 ans. Et déjà, vous avez réalisé des documentaires ou des programmes propres à vous, des enquêtes? D'abord, j'ai travaillé avec la radio nationale, Radio Jeune. J'ai fait partie de l'émission Hop Flektop. Nous avons parlé des livres d'une façon simple et banalisée, les séances et tout ça. Et après, j'ai travaillé sur mon premier court-métrage. C'était Rumava. J'étais la scénariste. Et après, maintenant, je travaille sur un court-métrage qui s'appelle 200 000 lignes qui est financé par Goethe Institute et l'Institut de l'image tunisienne. Et quel était le thème que vous avez choisi pour votre premier documentaire? Maintenant, je travaille sur le documentaire. Je travaille sur une salle de cinéma à Jandouba. Cette salle de cinéma est fermée depuis 20 ans et je cherche maintenant pourquoi elle est fermée et pourquoi tout ça passe à Jandouba. Jandouba est une petite ville à Tunisie et cette ville n'a pas des espaces culturels, et même il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et de gens là-bas. J'ai voulu faire ça. Ça, c'est le documentaire sur lequel vous travaillez actuellement, n'est-ce pas? Une sorte d'enquête. Le premier documentaire, il parlait de quoi? Mais non, c'est mon premier documentaire. J'ai compris qu'il y avait un avant. Non, il y a deux courts-métrages fiction. Fiction, d'accord. Et c'était vous la cinéaste pour ces deux courts-métrages fiction. Le premier, j'étais la scénariste. Et le deuxième, je suis la scénariste. Je fais partie de l'équipe de l'écriture comme scénariste. Et je suis aussi la productrice. Parfait. Et qu'est-ce qui vous intéresse afin de le présenter sur l'écran? Je pense que ce travail va...
va donner beaucoup d'espoir à plusieurs personnes, car cette film parle d'une personne qui collecte les bouteilles en plastique, les personnes qui sont en Tunisie, qui les autres ne savent pas leur histoire. C'est l'histoire d'un citoyen tunisien oublié dans les rues. C'est une histoire d'un citoyen qui ressemble à plusieurs personnes tunisiennes. Cyrine, notre région connaît actuellement plusieurs événements, plusieurs changements, transformations. La femme surtout, c'est elle qui affronte plusieurs défis, qui connaît de près les aventures et les menaces. Ça se passe partout dans le monde, mais la région arabe, maghrébine, au Moyen-Orient actuellement, est confrontée à ces défis, surtout pour les femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça concernant le cas en Tunisie actuellement? Je pense que la femme tunisienne a beaucoup de chance. Elle travaille, elle voyage, elle voit plusieurs personnes et elle réalise plusieurs projets, mais je pense qu'il est le temps de parler de la femme qui vit dans les régions rurales, les femmes qui travaillent loin de la ville. Et cette femme, il faut toujours penser à elle. Ce n'est pas ce genre de femmes doivent avoir leurs droits dans le salaire. Il faut avoir une égalité dans le salaire. Il faut respecter. Il faut respecter tout ce qui est autour de transport, car il part d'une place à une autre dans des conditions catastrophiques. Il faut repenser à ces femmes tunisiennes. Il ne faut pas penser seulement à celles qui sont dans la ville et qui sont toujours dans tout ce qui est social media et Facebook et Instagram. Il y a des femmes où les médias ne les filment pas, où elles sont oubliées. Il faut repenser à elles. Il faut vraiment penser à ces femmes qui sont très importantes dans notre société tunisienne. On connaît des noms, bien sûr, de vedettes du cinéma tunisien qui sont venues en Égypte et qui ont connu une célébrité ou qui étaient connues même avant d'entamer une carrière en Égypte, comme par exemple, j'ai en tête Hendi Sabri, Zafer El-Aouidine. On les connaît très bien ici en Égypte, mais bien sûr, il existe toute une liste de metteurs en scène et d'artistes tunisiens qu'on aimait bien connaître. Selon vous, quels sont les noms à connaître en ce qui concerne ce monde du cinéma et également du document en Tunisie? Je pense que Hend Sabri, tu as dit, Hend Sabri, elle a bien marqué et en plus elle est activiste dans le domaine des droits de l'homme. Elle est une femme très active, une femme très forte et c'est un exemple. C'est une femme qui sait bien tout ce qu'elle fait et c'est une femme qui est un exemple pour plusieurs filles tunisiennes. Je pense que Dola Zarour est une actrice tunisienne aussi qui part en Égypte, qui fait plusieurs films et plusieurs feuilletons qui sont réussis. Je pense aussi qu'il y a Jihane Ismail aussi, une réalisatrice tunisienne qui est en Égypte maintenant et qui réalise plusieurs films des droits de l'homme et tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qu'on ne sait pas leur nom, mais on sait bien qu'elles font leur possible de parler de la femme et de défendre de ses droits partout dans le monde. Car les droits de femmes ne sont pas un problème, n'est pas un problème régional, c'est un problème mondial. Il faut qu'on travaille en solidarité toutes les femmes pour obtenir nos droits, Inch'Allah.
Et pour vous, Cyrine Abidi, quelle est votre relation avec l'Égypte? J'aime l'Égypte. J'ai plusieurs amis de l'Égypte et j'ai bien appris des leçons de mes amis qui m'ont envoyé plusieurs livres de cinéma, plusieurs livres, plusieurs articles, des amis qui sont très gentils, tout ça. Et maintenant, j'écris avec la magazine américaine Megastar qui est intéressée de tout ce qui est cinéma et des interviews avec des artistes. Et bientôt, elle va être à l'Égypte, Inch'Allah. Nous avons une collaboration avec l'Égypte et nous allons avoir des copies à l'Égypte, Inch'Allah. Vous comptez peut-être venir travailler, réaliser un documentaire, une enquête ici en Égypte? Oui, je veux visiter plusieurs monuments célèbres. Je veux visiter les rues, je veux voir les gens, je veux manger plusieurs plats, je veux manger le kosher, je veux le savoir. Je pense que Inch'Allah, bientôt, je vais fixer une date, je veux arriver, je veux réaliser le but de réaliser un documentaire dans plusieurs pays arabes pour parler de notre différence et notre bien-être et notre nous sommes notre très spéciales. Existence en général, c'est vrai. Oui. Alors, qui sont les D'accord. Qui sont les cinéastes égyptiens qui vous intéressent et ou qui vous influencent, si vous voulez? J'ai un ami qui est Mahmoud Semir, qui est un jeune cinéaste, qui est égyptien, mais il vit au Canada maintenant. Il est une personne très talentueuse, il donne toujours les conseils. Et c'est un homme très talentueux et ça me donne beaucoup d'inspiration. Aussi, Mohamed Ram, tout le monde, c'est Ram. Et je pense que l'Égypte et les films de l'Égypte ont marqué l'histoire et ils sont filmés dans toutes les écoles de cinéma dans le monde. It's fact. Également, je voudrais savoir quand vous avez une idée à propos d'un document. Quand vous allez présenter un document, vous avez parlé que vous aimez parler des gens les plus marginalisés, peut-être dans des endroits ruraux, la femme surtout. Pour l'image, quelle image vous attire? Qu'est-ce que vous aimez que les gens voient ou regardent? Je veux raconter les histoires sincères. Les histoires des gens qui nous ressemblent, sans maquillage et sans mentir, les histoires de personnes qui nous ressemblent, de malheur et de bonheur, de haut et de bas. Je ne préfère pas le genre des histoires qui sont un peu tout passe très bon et la vie en rose. J'aime pas ce genre. Je préfère de parler des gens qui nous ressemblent, de parler de dépression, de parler que nous sommes des personnes qui peuvent réussir et parfois ne peuvent pas réussir. C'est très important de parler de ça car maintenant, par l'Instagram, le Facebook, et Snapchat, TikTok, toutes ces applications décrivent une vie un peu imaginaire et les gens seront fous, un peu plus ou moins seront fous. Il reste toujours de courir et de gagner de l'argent, d'avoir une image spéciale, une image plus ou moins parfaite. J'aime pas l'image parfaite. Vous êtes plutôt réaliste.
Je veux être une personne réaliste. Je veux raconter les histoires de malheur et de bonheur, des histoires qui nous ressemblent comme des êtres humains. D'accord, ouais. Ça c'est très bien. Vous avez cité Cyrine Abidi, que vous aimez bien visiter l'Égypte, essayer peut-être la cuisine égyptienne. À mon tour, je voudrais, à travers vous, découvrir la cuisine tunisienne. Ok. Quels sont les plats les plus connus? Moi, je connais Harira, c'est la soupe. Je vous invite à manger le couscous, Inch'Allah, quand tu arrives à Tunisie. Ah oui, il y a le couscous, bien sûr. Ça, c'est un plat très, très connu, célèbre partout dans le monde. Un plat maghrébin. Oui, quoi encore? On a le keftéji, on a la mloukhia. Pas aussi... comme la nôtre, n'est-ce pas, mloukhia, pour vous, ce n'est non. Pas le même plat qu'on ici en Égypte. Et ça se fait comment, ça se cuisine comment chez vous? On la mange avec du pain. Oui, d'accord. On la mange avec du pain. D'accord. Mais c'est la même plante utilisée en Égypte. Oui, c'est la même plante. Mais comment nous prépare le plat, ça diffère. Je pense que. Je n'ai pas eu la chance de manger la mloukhia égyptienne. Je vous invite à mon tour de venir déguster ce plat qui va vraiment vous rendre heureuse de le goûter. Bien sûr. C'est très intéressant de parler de ça car c'est, tous ces détails sont les signes culturels et intellectuels de toutes les civilisations. Il faut toujours savoir ça, il faut toujours parler de ça, il faut toujours parler des plats, il faut toujours parler des costumes traditionnels, de parler des monuments célèbres. C'est très important de... et échanger tout ça et parler de tout ça car ça nous donne plusieurs idées et ça nous donne plusieurs d'espoir, l'espoir de lutter et de terminer notre voyage dans cette vie, car cette vie est un petit voyage, il faut tester plusieurs choses pour bien vivre cette vie. Je voudrais également savoir, basé sur votre expérience personnelle, est-il difficile pour une femme, jeune femme, d'être réalisatrice ou d'être journaliste d'enquête de documentaire? Je pense que c'est très important d'être forte, car partout dans le monde, c'est très difficile pour la femme de réaliser plusieurs choses, car partout, c'est partout. Plusieurs personnes pensent que c'est seulement dans le monde arabe, mais il faut lutter, il faut avoir la chance. Il faut prendre la chance ou la perdre. Je pense que je dois être forte et ça marche bien maintenant. Quand j'étais petite, forte, ça signifie comment? Être forte comment? Avec qui? Tu es une fille, une petite fille, et tu dois attendre, ce n'est pas ton tour, il faut attendre, tu es encore jeune et tout ça. Et parfois, j'ai arrivé d'une petite ville que j'ai parlé de Jandouba. Dans cette petite ville, il n'y a pas des activités culturelles et tout ça. Et j'ai parti à la capitale, à Tunis, et j'ai cherché des opportunités. Et j'ai appris plusieurs choses et j'ai voulu avoir ma chance. Et enfin, j'ai eu ma chance. Le travail, la chance aide parfois, mais le travail est toujours, je pense, qu'il faut garder ça en mémoire toujours. Il faut bien travailler car la chance. Mais si tu travailles beaucoup et si tu travailles tout le temps, tu vas réussir. Bien sûr, bon courage avec et bonne continuation avec votre carrière. Et ça nous mène à parler, Cyrine Abidi, de la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Et c'est maman. C'est maman. Comment elle vous inspire? Maman, ma mère est une enseignante. Elle aime beaucoup, elle aime les livres et elle aime lire et elle aime discuter et elle aime prendre
prendre plusieurs décisions dans sa vie. Je pense que c'est très important d'être une maman forte pour avoir des filles fortes. Je pense que c'est très important dans notre vie. J'espère que je serai au futur comme elle, Yann. Une femme forte et intellectuelle et tout ça. Je veux être comme elle. Vous l'êtes, on peut le constater. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Il faut toujours, toujours, toujours essayer. Ce n'est pas... Chaque nouvelle journée est une opportunité de refaire les choses. Il faut toujours refaire les choses. Et la fin, c'est la mort. Il faut toujours, toujours, toujours essayer. Il faut toujours avoir la confiance. Et avant tout, il faut aimer toi-même. Si tu n'aimes pas Cyril, tu ne peux pas aimer les autres. Il faut bien aimer soi-même et après tu vas aimer le monde et tu vas aimer les autres. Et je pense aussi qu'il faut se concentrer à nos projets. Il faut toujours se concentrer à nous-mêmes et il ne faut jamais faire des comparaisons avec les autres. Car chacun a ses raisons, chacun a sa propre histoire. Il faut toujours... believing. Je pense en anglais. Quand tunisienne, vous êtes parfaitement francophone. Pensez en anglais. Est-ce que vous avez fait des études en anglais? Non, maman est une enseignante d'anglais. On voit l'influence. Oui, et la plupart des cours que j'ai eu en ligne et tout ça, et maintenant je travaille avec une équipe anglaise, je pense toujours en anglais et je veux traduire en français. Et également, je voudrais parler avec vous d'un stéréotype, d'un préjugé, des fois, dans l'esprit ou la tête des Occidentaux, que peut-être la femme dans notre région, elle affronte des pressions ou qu'elle se trouve dans un état qui n'est pas tout à fait correct. L'idée n'est pas vraiment une idée réelle de la femme dans notre région, puisqu'on trouve, comme vous l'avez mentionné, votre mère qui est enseignante, vous qui êtes journaliste, d'autres également exemples de femmes qui ont très bien réussi leur vie. Est-ce que déjà vous avez affronté des préjugés ou des stéréotypes pareils dans vos relations avec les autres? Je pense que c'est normal d'affronter ce type de préjugés dans la société arabe et mondiale. Hein. Car partout dans le monde, il s'agit d'une vision un peu négative à la femme. Tout le monde pense que la femme veut toujours vivre une vie confortable, sans faire un effort et tout ça. Mais la femme est un être très et très spécial. Je pense qu'il faut lutter contre toutes ces points de vue. Je pense que chaque fois qu'une femme défend de ses droits, elle défend les droits de toutes les femmes. Car il faut que elle s'affirme. Il faut que chaque femme défend. Il faut dire non à la violence, il faut dire non à tout type de harcèlement et tout ça. Il faut être forte, il faut toujours crier, il faut toujours lutter, il faut toujours être actif, pas passif. Il faut toujours être actif. Je pense que c'est très important. À chaque fois qu'une femme
lutte et chaque fois qu'une femme essaie d'avoir la chance d'être réussie et d'être une femme forte, elle donne la chance à plusieurs filles d'avoir un futur plus beau. Je pense que c'est très important d'être responsable, car c'est une responsabilité. Cyril Abidi, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, merci beaucoup. C'était notre invité, Cyril Abidi. Grâce à la nouvelle technologie, on a pu être en contact avec elle, une jeune journaliste et cinéaste tunisienne qui nous a parlé depuis Tunis. Je vous remercie infiniment pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle expérience au féminin. Au revoir.